Salut, je fais cette petite vidéo pour vous montrer mon nouvel appartement à La Roche-sur-Yon que j'habite depuis maintenant le mois d'octobre, depuis cette nouvelle vie en Vendée où là par contre c'est depuis 2 ans. Je vous propose de commencer par le moins intéressant, la salle de bain. J'ai un petit lavabo, une douche et puis des toilettes, c'est bon, ça suffit, hein, pas la peine d'avoir 50 mètres. Sur mon frigo, j'ai posé pas mal de goodies, dont des sous-verres que mon frère m'a offert. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, je te remercie encore du plus profond du cœur. Et j'ai une petite lampe Mario que j'ai pas encore branchée, qui est le petit cube jaune. Voilà, c'est des goodies Skylanders, mais moi je suis un gamin et puis je vais jamais grandir et puis je trouve ça que c'est trop beau. C'est comme les Pokémon, j'adore ça. Alors là, c'est mes jeux Xbox première génération. Bon, j'en suis désolé, j'ai mis des choses devant parce que à un moment donné, sachant que je suis dans un petit appartement, je suis obligé de mettre des choses devant. Alors ça c'est Xbox première génération, là il y a un petit peu de PS3, PS2, un port japonais, Xbox première génération encore et un peu de PSP. En gros j'ai mis le reste en vrac qui me restait là. Donc ça c'est mon petit coin cuisine. Alors des Skylanders j'en ai au moins 300, donc j'ai été obligé de les mettre dans des boîtes d'ailleurs que ma mère m'a trouvé pour vraiment presque rien. Ça c'est un petit sac où j'ai mis des fourreaux parce que j'ai retiré mes fourreaux des boîtes parce que j'avais peur de les abîmer. J'ai 2 télés. J'en ai une que j'utilise pour les jeux vidéo et les films, et puis une autre que j'utilise quand mes parents viennent et qui me sert aussi pour mon PC, même si j'ai un PC portable. J'ai pas mal de jeux PS3, je vous fais un tour vite fait, hein. Désolé, j'ai pas une caméra assez sophistiquée pour vous les montrer vraiment un détail et j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 heures. Mon but c'est juste de vous montrer rapidement à quoi ressemble mon nouvel appartement. Donc dans ce sac j'ai mis que des jeux sous blister parce que je collectionne un petit peu les jeux sous blister quand ils sont pas chers et quand j'en ai l'occasion. Ça c'est de la PS3 aussi. Ça c'est essentiel et platinium PS3 car je collectionne aussi les platinium et les essentiels. Par contre essentiel de la PSP j'adhère pas. Mais quand ils sont pas chers, quand c'est des Final Fantasy, pourquoi pas. Ça, c'est de la PSP. Ici, j'ai mis mes jeux PS2, mais j'ai dû mettre beaucoup de choses devant parce que voilà, hein, je vis pas dans une maison de 200 mètres carrés, j'essaye de faire du mieux que je peux. J'ai un tout petit peu d'Amiibo et de Skylanders en boîte aussi. Ça, c'est mes jeux Xbox One. À peu près Xbox One et PS4 réunis, j'en ai à peu près une centaine. Donc ça c'est PS3, un port japonais, ça c'est Wii U. Et oui, j'en ai un petit peu là, sachant que j'en ai prêté une cinquantaine en plus à mes neveux. Donc ça c'est PSP Platinum, PSP normal, PS3 japonais. Et là j'ai un tout petit peu de PS. Ici c'est mon coin PS4. Alors dans ce sac-là, j'ai mis tous mes steelbooks, j'en ai un très gros paquet, il faudrait que je fasse une vidéo de 3 heures pour tous les montrer, j'ai pas envie de faire ça. Je collectionne aussi les casquettes Skylanders, pour l'instant j'en ai trouvé deux, et une de Beyblade. J'ai un petit peu de guide, j'en ai une vingtaine, donc c'est pareil, j'en ai posé un peu dans plusieurs endroits. Là ici on peut voir que j'en ai d'autres aussi. Là-dedans il y a quoi? J'ai une Xbox 360 et une Wii aussi. En haut, là, j'ai posé mes boîtes de Skylanders et Disney Infinity vides. D'ailleurs, là, on peut voir qu'il y a un pack de Disney Infinity que j'ai pas encore déballé sur PS4. Là, j'ai mon premier pack Skylanders en tablette. Ici, j'ai mis mes jeux Xbox 360. Donc, encore désolé hein, pour une vidéo vraiment vite fait, mais de toute façon, si ça serait une vidéo qui durerait 3 heures, je suis sûr que personne la regarderait. Donc ça c'est mon petit lit ici avec une télé. Et ici j'ai aussi un tout petit peu de DVD. Pareil, je vous les montre rapidement. Hop. Bon ça c'est des DVD qu'il y avait du scotch dessus, je les retirais. Maintenant faudra les reclasser. Ça c'est les films que j'ai regardés dernièrement. Ça c'est un effet 3D. Je sais pas si on verra en vidéo de Mario Kart. Et ça c'est mes films préférés. Alors ici j'ai mis un steaker sur ma PS4, autrement dit en français un autocollant que m'a vendu mon ami Patfort, que j'appelle Patrice. J'ai une Xbox One ici, ça c'est quoi Xbox 360? Ça c'est mon modem internet, on s'en fout. C'est Xbox 360, PS3, j'ai encore une autre PS3, hop.
Ça, c'est une manette. J'ai plein de manettes ici. D'ailleurs, j'ai mis des housses en silicone dessus et sur mes joysticks. Quoi, c'est aussi des manettes. Ça, c'est des disques durs pour Xbox 360, qui est un seul disque dur. J'ai pas assez avec environ 1500 jeux que je possède. Donc voilà, en gros, je possède à peu près 1500 jeux, même si on dirait pas comme ça dans ma vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo de mon appartement vous aura plu et je vous dis salut.